Chers frères, nous arrivons à la troisième façon qu'une personne fait un mazoutal. Après avoir qu'il nous fait une guette premier, le imam Abu Hanifa, rahimahullah, comment il explique dans ce mazhab, ben, frère fait un mazoutal, nous venons avec des gens qui ne pas faire l'Ikoua Maghrib, veut dire, nous faire un seul coup, veut dire avec un seul tashahhud, un seul attahiyat, un seul Allahumma salli ala Muhammad, un seul salam, dit-on le dernier rakat seulement. Veut dire nous faire un minimum, nous faire trois, nous faire cinq, nous faire sept, nous faire neuf, nous aller un seul. Veut dire dans chaque rakat, nous lisons surat al-Fatiha et nous lisons notre surah. Dans chaque rakat, nous allons comme ça. Est-ce qu'on arrive au septième là, ou bien on arrive au neuvième là, ou bien on arrive au cinquième là? Deuxième façon, hein, troisième façon, c'est ça qui, ça aussi de trouver, parce qu'il est base du hadith, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait des rakat, il fait salam, il débute, il fait un sel. Sa troisième façon. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, veut dire que il fait trois rakat là, mais seulement il n'a pas fait trois là, un sel coûte. Il fait des rakat, il fait salam. Il redéboute Allahu Akbar, il ne termine pas un seul rakat. Ça, c'est la troisième façon qui nous fait namaz, 8 heures. Et troisième, là, chers frères, Jean B, quelle différence est-ce entre lui avec un dimanche qui fait des rakat, après il fait un seul et arrêté? La différence qui finit, c'est qu'il y a un sallallahu alayhi wa sallam fin faire trois rakat, c'est la seule lecture qui nous gagne. Les fautement recommandés de namaz 8 heures, premier rakat, en dimoun yasur al-a'la, sabbihisma rabbika al-a'la. Dans le deuxième rakat, il y a sur al-kafiroun, qul ya ayyuha al-kafiroun. Et dans le troisième rakat, il y a sur al-ikhlas, qul huwallahu ahad. Ça, trois surah la vie. Donc, comment on connaît qui ça trois 8 heures là, qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait deux, hein? C'est que dans deux premiers là, il y a sur al-a'la, il y a sur al-kafiroun. Il y a Tahiyyat, Darud Ibrahim, il y a Dua, il fait Salam. Les temps, il fait ça, un seul rakat là qui sourit, il y a sur l'Ikhlas. Donc, ça pour montrer nous à travers ce lecture, qui ça trois rakat là connectés, oui non. Même pourtant, il fait un salam, il fait un salam là-dedans. Donc, un djimoun qui fait un namaz 8 heures, trois rakat, il a deux façons de faire. Soit il fait trois rakat, un seul coup, il arrête 10 le troisième rakat pour lui faire Tahiyyat. Pour lui dire Darud Ibrahim, pour lui faire salam. Ou lui faire lui deux, à Tahiyyat, Darud Ibrahim, lui faire salam. Ensuite, il débute, il fait un seul rakat. Ça, c'est trois façons, comment dire, qu'une personne fait namaz 8 heures.